Hey, salut à toutes et à tous, ici The Tribal Rider, vous m'appelez Tribal, et bienvenue dans l'épisode numéro 10 sur Immortal Phoenix Rising, le DLC Dieu perdu. Et le but du jeu c'était d'aller chercher des coquilles. Je me suis renseigné sur internet, j'étais obligé de me renseigner sur internet, ils disent que c'est dans la région de Poséidon. Alors là on voit un trident, donc je me dis c'est peut-être le trident de Poséidon, et quand on regarde on voit grève du chemin de crête, temple du trident, etc. Donc bah va falloir monter jusqu'à là-bas pour choper des coquilles. Ouais, c'est... Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire dans le jeu, mais je trouve que le DLC c'est pas pour moi. Donc je prendrai une décision définitive à la fin de cet épisode, à savoir si je décide de continuer ce DLC ou non. Sachant que je vous ai toujours dit haut et fort que si jamais ça m'intéressait pas, j'arrêterai. Et parce que si ça m'amuse pas, je vois pas en fait le but de vous faire une vidéo sur un jeu que je m'amuse pas en fait. Immortal Phoenix Rising, pour le coup, c'est un jeu que j'ai apprécié, même s'il avait pas mal de défauts, etc. Mais là je dois bien avouer que ce DLC, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec une espèce de 3D isométrique qui est un peu trop zoomée, où tu peux tourner la caméra, je sais pas, ils ont voulu faire un mélange de style et perso moi j'accroche pas du tout quoi. Alors je sais pas si d'autres personnes, j'ai pas envie de dire youtubeur parce que je suis pas un youtubeur, parce que je gagne pas ma vie via YouTube, ça c'est sûr et certain, donc je ne suis pas youtubeur. Pour moi un youtubeur c'est un travail, c'est un mec qui... gagne sa vie via YouTube. Moi c'est pas mon cas. Du coup je sais pas si un autre vidéaste, on va dire ça comme ça, si les autres vidéastes ont aimé ou pas, ou si c'est moi qui fais un petit peu trop de manière, je ne sais pas. En attendant, je sais pas. Après bon bah il y a des gens qui vont préférer d'autres jeux à d'autres. Hein, les goûts, les couleurs, ça s'explique pas. Mais là je dois bien avouer que pour le coup c'est pas un DLC, c'est super cool. Ah ouais d'accord, ok ça marche. Ah t'as bien lagué quoi. La vitesse à laquelle elle a perdu son endurance était affreux quand même. Enfin moi personnellement j'ai jamais vu ça de ma vie hein, mais... Qui suis-je hein, pour critiquer? Impossible pendant un conflit. D'accord. Très bien. C'est bon, je suis plus en conflit là. Waouh. Vous savez, sur un. Sur un Ken Slash, à un moment donné, les ennemis arrêtent de vous poursuivre en fait. Je sais pas si vous êtes au courant. Mais là, nous poursuivre pendant, je sais pas, un état entier, c'est un peu compliqué, non? Ok, c'est du caca. Et je sais pas comment augmenter ma barre de vie, je sais pas. J'ai essayé de regarder, de me renseigner. Alors, comment tu as fait pour l'unité? Eh bien, comme j'ai uni les dieux pendant mes épreuves, Zeus s'est dit que ça m'irait bien. Si je pouvais choisir, j'aimerais être la déesse des siestes. Tu sais, Hypnos est déjà le dieu du sommeil. Le siège, c'est pas pareil. C'est différent. Voilà, donc maintenant on va pouvoir chercher les coquilles. Il nous en manque deux, parce qu'il nous en font cinq. Oula. Oh là là, mon dieu. J'ai fait une connerie. J'aurais jamais dû. Et là, c'est la poursuite des enfers. Alors là... Voilà, conflit, machin, bidule... C'est mort. Bonjour, c'est mort.
T'es bon? Dieu, s'il vous plaît, veillez sur moi. Ok, il y a un gros boss aussi là-bas. Très bien. Peut-on se soigner by the way? Voilà. Bon, comme ça, ça fait. Mais je sais pas, je trouve que. Le fait d'augmenter de la puissance, etc., ça se fait vraiment. Très lentement et. Au bout de 5 heures de jeu, enfin, j'ai pas vraiment augmenté mon personnage, quoi. J'ai un peu augmenté les dégâts, mais je me prends 2-3 coups, je décède, quoi. Donc, je suis vraiment pas marrant. Moi, ça, Lightbox, c'est complètement bugué. Ça arrête pas de repop à l'infini. Juste pour aller chercher un petit truc. Non, ça a vraiment mal fait en fait. Alors ils avaient signé pour 3 DLC, ils auraient pu se faire en fait. C'est pas marrant. Et là je joue en combat. Alors. Bravo. Mon Dieu. C'est bon, j'ai mes 5 coquilles. Non mais... What? On doit tout faire pour éviter de se faire choper quoi. Sur un Ken Slash. Un Ken Slash, vous défoncez les mobs en 2-3 mouvements, quoi. C'est le nombre qui fait la différence. Là, je sais pas, ils ont essayé de faire un mix bizarre. Genre. Après, je sais pas, hein, donnez-moi votre avis, hein, je suis vraiment très curieux de savoir votre avis, savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce DLC, si vous aussi vous êtes déçu, ou carrément si vous avez préféré ce DLC par rapport à d'autres. Dites-le-moi dans les commentaires, hein, sincèrement. Hein. Hermès, messager et roublard, accepte cette offrande. Et pas de blague sur vous. Après, vous inquiétez pas, hein, je vais continuer à faire mon playthrough sur Assassin's Creed Odyssey. Même si je le critique, bon après vous avez compris que j'étais quand même un mec qui râlait pas mal. Je vais continuer à faire Assassin's Creed Odyssey et puis après je vais essayer de voir aussi pourquoi pas faire un autre jeu vidéo. Peut-être Kena. Il m'a l'air sympa Kena, à voir.
Sincèrement, à voir, je sais pas du tout. Faudrait voir. Voilà, faudrait voir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Allez, viens. Ah, c'est vrai que j'ai même pas la course. Eh, mais peut-être qu'Hermès va me filer la... Le fait de pouvoir sprinter, ça serait cool, ça, le sprint. En tout cas, j'aimerais fortement pouvoir sprinter. Ah ouais. Peut-être continuer à débloquer ça, je pense qu'en vrai... on va essayer de débloquer ça, voir ce que ça donne. Rejoindre un hôtel. Bon, on va aller rejoindre un hôtel. Ça aussi, c'est stupide. What can I say? What can I do? Et on va aller se déplacer, je pense, ici. Hein, pour voir ce qui se passe à peu près par là. Alors. On va enlever les marqueurs pour éviter que je me trompe. Oups. Et on va le mettre là. D'accord. Hop. Il m'emmène où? Oula. Ah mais oui, mais là je ne peux pas monter par là. Et ça y est. Oula. Ouh, j'ai des gros dégâts critiques n'empêche. Oula. Je ne voulais pas. Je l'ai pris. C'est bon? Non. Ah. C'est bon? Merci. Du coup, on a vu que je ne pouvais pas, car tout simplement, je n'avais pas ce qu'il fallait. C'est... cocasse. Après, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, hein. Ça fait au moins une semaine que j'ai pas touché le jeu, parce que j'avais enregistré pas mal de vidéos, en fait. C'est aussi pour ça le ras-le-bol, je pense. Et je me suis donné quand même une semaine pour bien réfléchir à tout ça, ce que je voulais faire, ce que je voulais pas faire, etc. Et malheureusement, ça va pas en faveur de ce DLC. Après, ça me dérange un petit peu de faire ça parce que j'ai toujours été un mec qui finit ce qu'il entreprend. On m'a toujours appris en fait, quand j'étais gamin, à finir ce que je faisais. Parce que j'avais tendance à ne pas finir ce que je faisais. Et du coup, bah voilà, les choses ont changé, j'ai grandi et j'aime bien finir ce que j'ai commencé. Mais je dois bien avouer que là, pour le coup, ces vidéos YouTube, je les fais pour m'amuser et pour vous amuser. C'est les deux. Pour créer du divertissement, tout simplement. Et là, le fait de pas m'amuser moi, bah, je bloque. Donc je dois bien avouer que là, je ne sais absolument pas comment passer. Passer à côté. Oui, je pense qu'on devait passer par là. Bon, la dernière fois, je suis mort comme un caca. Essayez de pas. Allô? Bah, c'est bien carré. Pourquoi il a pas voulu? Allô? Il veut pas. Ah là, il veut. Mais
Attends. Ah, dès que je saute, il veut pas? Ah, mais parce que j'ai pas activé ce mode truc. Non, mais s'il vous plaît, foutez-moi la paix. Déjà que je galère. Ah, faut tout remettre dans les airs. Et vont me dire, veuillez quitter le conflit, ma bite mon zboub, on s'amuse pas. Regardez tout ça, j'ai... Ok. Fun is not allowed. Merci. C'est d'une débilité sans nom. Que ça marche mieux quand... Quand tu réussis. Comment je vais pour enlever ça? Non, c'est pas ça. Mais tu peux... Suivre le joystick là, au lieu de rester bloqué comme une imbécile fiefée, donc une connasse. Parce que connard est un... Et quand tu prends le dictionnaire, c'est imbécile fiefée. Mais j'y arrive, ok, donc là je peux pas passer. Je sais même pas si je peux passer là. Et ben enfin, on arrive là. Peut-être qu'on va pouvoir aller voir Poséidon. Enfin. Oula, il y a un cristal bizarroïde là. Et il y a un boss assez vénère en face. Ok. Je crois que c'est des diamants. J'ai pas envie de me taper le gros boss. En vrai. On va juste le contourner si ça vous dérange pas. Oh, ça sent tellement la douille. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêt à vous faire agresser? Non? Bon d'accord. Youpla boum! Youpi! Vous pouvez grimper ici. Ah, maybe, hein. Bon, allez, choper. Bonjour tout le monde, je viens que prier, Dieu, merci à tous. S'il vous plaît, veillez sur moi. Voilà, un hôtel. Voilà. Finalement, il fallait juste un petit peu continuer en fait. C'est juste moi qui fais des bêtises. Mais bon, il y a certains pouvoirs que j'aimerais bien débloquer, comme les ailes, comme... autre chose. Ah d'accord, j'ai jamais voulu. Non mais, hé, toute la famille là.
Oh, le truc chiant. Salut. Salut, Poseidon. Hé, hey, toi, machine. Moi, c'est Ash. Oui, oui, absolument. Pourquoi pas, après tout. Écoute, Sacha, j'ai un petit travail à te confier. La chaleur de la région d'Estia est idéale pour l'incubation des œufs de poule. Et des poussins n'arrêtent pas de naître. Quelques plumes ne lui manqueront pas. Même beaucoup de plumes. Tu veux que je te rapporte des plumes? Pourvois promptement au plumage de papa Poséidon, ma poulette. Ma petite. Peu importe. Peace. Au secours! Mais c'est dialogue. Et poliment, non? Poliment? T'as pas vu que c'était un douche? La douche? La douche bag? Sérieux, sans blague, je pouvais choper les coquilles là, quoi. Rejoindre le poulailler. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous m'avez pas vu? Du moment qu'il one-shot pas comme, comme le fameux DLC où j'étais trompé, parce que je me souviens m'être fait déglinguer les fesses par des poules aussi rapides que ça qui one-shotaient, parce que c'était trompé au niveau des dégâts, je présume. Donc t'affrontes des poules qui te one-shot pas, t'affrontes des plus grosses poules qui te one-shot. MDR. Donc des poules aussi rapides que ça qui te one-shot en un coup, hein, bien évidemment, parce que c'est le one-shot. Ah d'accord, à travers le truc, il a même bugué lui, d'accord. Et après, t'avais du coup le fameux boss, le roi Hubert. Et lui te one-shotait pas et tu te défonçais sa race. Voilà, un peu comme ça, quoi. Plus 180 ? J'ai toutes les plumes maintenant. Bien, qu'est-ce que j'en fais? Je les garde? Tu te les mets dans le... Non, j'ai rien à dire. Tu te les mets dans le... Menez à bien les tâches de Poséidon. Ah, j'avais pas vu... J'avais pas du tout vu ça. J'ai envie de voir ce que c'est là-bas. Pourquoi il va falloir faire un miracle encore une fois? Aussi puissant que la mer et aussi bête qu'un caillou. Ouais. Moi personnellement je suis avec Dame Nature parce que tu peux pas résister contre Dame Nature en fait. Rien n'est aussi puissant que Dame Nature. Tout simplement. Si la Dame Nature elle a envie de te détruire et te détruira, tu pourras rien faire. Inondation, écoulement de boue comme on a eu là en Europe, là, en Allemagne et en Belgique, et pauvre. Tremblement de terre, tout ça, la pluie, c'est... La pluie, ça bouffe même les rochers au bout d'un moment. Je me suis dit que je pouvais l'arrêter. La double touche. Du coup, c'est quoi son pouvoir spécial à lui, là? Divinité doit regagner l'Olympe. Ouh. Offrir une grande conque à la lande. Et une autre ressource permet d'amener Estia à viser la flèche enflammée. Cette divinité doit regagner l'Olympe avant de recevoir votre offrande. D'accord, d'accord. Donc je dois d'abord recevoir... Ok. Ce qui est fort dommage. Je dois bien l'avouer. Réparation d'ennemis et ressources.
Réapparition. N'importe quoi, je sais même plus lire. Eh bien, super. C'est super. Peut-être continuer par là, du coup. Allez, c'est gratuit, on va aller récupérer un petit diamant. Salut, hein. Un diamant brut. Un diamant d'innocence. Ah, peut-être par là. Ah bah voilà. Il y a encore un hôtel. Il y a encore un pot. Bonjour Estia. C'est sympa. J'aurais bien aimé voir ça dans le jeu en fait. Dieu, s'il vous plaît, veillez sur moi. Mais ça s'appelle comment? Terre soufflée, ouais, donc c'est Estia quoi. Alright. Alright. Comme il a envie de voir ce qui se passe. Allez, salut hein. Hey. Calme. Aïe aïe aïe. Mais en fait t'as pas de profondeur donc tu vois pas ce qui se passe. Ah merde. Voilà. Bon, toujours plus les gars là, calmez-vous. Aïe 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 aïe. Mais je suis en train de te frapper mec hein, je sais pas si t'es au courant. Ah la fin. Le mec, on a pu voir comment il s'est retourné. C'était abusé quand même hein. Non mais je vois rien les mecs. Quoi qu'ils font, la caméra elle est moisie. Il est où? Ça va pas. Ils sont malades. On va mettre la bouboule. Et la bouboule, elle est où? Je ne sais pas. C'est tellement chelou votre truc là. Quoi? Pourquoi vous voulez pas? Where is the bouboule? Oh alors, j'ai pas le pouvoir. Aïe 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 aïe. Je vais réfléchir sur si je continue ou pas. Je vais essayer de... Maintenant que j'ai trouvé une nouvelle zone, je vais essayer de continuer un petit peu le DLC, voir. Mais sincèrement, je pense pas que ça soit ma cam, quoi. Donc on verra par la suite. Bah écoutez, moi c'est là-dessus que je vais arrêter. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter celui-ci, comme d'habitude, toujours pour savoir votre ressenti. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper de nos aventures. En attendant, je vous fais des petits bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.